Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode 2 Lego Marvel's Avengers. Donc chers amis, hop, on reprend donc directement en haut, hein. J'espère que tout a été bien enregistré, oui, vu que mes crayons ont été dépensés, entre guillemets. Donc normalement, on devrait être en mesure. Hop, qu'est-ce que c'était? D'accord. Ok, pourquoi pas. Donc ça c'est pour aller là-haut dans l'ascenseur. Tout d'abord, on a ça. Avec la bonne exposition, nous pensons que le cristal pourrait réactiver la technologie Chidori retrouvée à New York. D'accord, donc on l'avait vu dans le précédent épisode, ce truc-là, mais on ne l'avait pas fait exprès parce qu'on était parti en mode free play, entre guillemets. Bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce problème? D'accord, c'est une espèce de code, non? C'est quoi? Hop. Ok, ensuite bleu. C'est ça. Ensuite encore bleu. Ensuite encore rouge. C'est ça? C'est ça apparemment. Contrairement à ce qu'on pensait, la créature ne peut voler seule. Le vol s'effectue grâce à la technologie Chidori de l'armure. Si on peut récupérer cette technologie, alors tout deviendra possible. Tout deviendra possible. Non, on arrête là. Hop, c'est bon. C'est que ce bordel? Ah, c'est ce machin là qui hurle comme une... Allez, c'est ce machin-là. Ok. Cassons tout aussi, hein, après tout, pourquoi pas. Oh. Le sceptre est ici. Anyways. Ici, oui, exact. Bonjour. Je mâche le bouton. C'est bon. Hop. Parfait. Oh. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le shield est ici? Pourquoi le shield serait-il ici? Et là c'est Hydra? What? What the fuck? C'est moi! D'accord, c'est très bizarre, je ne comprends pas à vrai dire. Alors pas du tout. Hop, pourquoi pas. D'accord, alors on sait tous, chers amis, que ces machins là... Ils sont très casse-gueule. Ok. Oula, des silos nucléaires. Non? Non. Oui, sans doute, mais bon. Hop. Ce n'est pas là qu'est l'utilité de la chose. Hop les. J'imagine que ça va faire quelque chose à droite, voilà. En traduit, enfin à la base en français ça se lit Ronda. Pas Rwanda, comme il l'a dit. Rwanda c'est un pays. C'est pas une... On va pas être tout à fait d'accord. Ils ont des pouvoirs incroyables. Utilisés correctement, ils pourraient être des armes extra. Je rêve où il y a une seconde, il avait le... Regardez. Il y a une seconde, il avait le truc de Captain America dans les mains. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Si vous voulez. Pendant un instant, il a eu le bouclier de Captain America dans la cage. Je vous le dis, hein, vous pouvez regarder. Normalement, je ne me trompe pas. Il est là, le... On est d'accord, je le vois bien. Il est là, le sceptre. Vous me faites chier pour que je prenne le sceptre. Bon, apparemment, j'ai raté quelque chose. Hein. Hop. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Comment ouvre-t-on cette porte? D'accord. On ne l'ouvre pas. Ah ouais. D'accord. Suivant avec qui on l'ouvre. Ah oui, exact. Dans les deux, en fait, il y en a un qui est supposé être du shield. Et l'autre qui est supposé être du... Ouais, non, même pas. C'est même pas censé être comme ça. Enfin, bon. Voilà. Hop. Enfin, qui se passe pour quelqu'un du shield, on va dire, entre guillemets. Droite, bas, gauche. Pip, 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 pip. C'est bon. J'en paye. Puissance! Energize! L'énergie qu'il dégage est la même énergie dissipée que dans les armes d'Hydra retrouvées. Nous avons peut-être un moyen de les activer. Cette technologie nous aidera à changer. Arkia! Hop, allons-y! Allons changer le monde! Oh, c'est rouge! Pourquoi c'est rouge? La tour Stark a subi quelques améliorations dernièrement. C'est maintenant la tour des Avengers. Le quartier général des plus grands héros de la Terre. Des Avengers. Œil de Faucon peut se soigner dans le laboratoire médical pendant qu'on répare l'Iron Legion dans l'atelier en dessous. Maintenant que Strucker est hors jeu et qu'on a récupéré le sceptre de l'eau. Donc oui, là. J'ai l'impression que ça risque d'être calme par ici. C'est suite au tout début du let's play. Donc Œil de Faucon a été blessé, ils l'emmènent donc à la zone médicale. Alors peut-être le revoir. Ils veulent le sceptre. Voilà, c'est ça. Hop, tellement stylé. Vous le cherchiez depuis la fin du Shield. C'est comme une conclusion. Quand on saura à quoi il a servi, sans parler des armes. Depuis quand Strucker optimise des humains, on l'étudiera avant qu'il reparte sur Asgard. Ça vous va? Et ce sera la soirée d'adieu. Ouais, bien entendu. Toute victoire doit être célébrée. Ouais, c'est la fête. Le milkshake, le retour du milkshake, chers amis. Il m'a manqué, ce milkshake. Donc voilà où on a fait notre course, hein. Voilà où on s'est posé. C'est marrant, ça me semblait beaucoup moins grand. Pourquoi pas? Dans la brouette. Oh, mais non. Elle parle coréen, parce que voilà. Les autorités le retiennent. Les optimiser. Vanda et Pietro Maximoff, des jumeaux. Orphelin à 10 ans, un obus a détruit leur immeuble. Leur capacité? Il est rapide, elle est étrange. De toute façon, on les reverra. Pour la blague, chers amis, normalement, les jumeaux sont les fils... Attention, spoiler alerte, si vous ne voulez pas entendre ça, je vous laisse 10 secondes pour muter le son. Ou je vous le dis après la... Je vous le dis après la... Comment le... La vidéo. Ce sera mieux. Celui qui est endommagé, c'est pour ça qu'il a pas la même... Voilà. Comment il va? Il va bien, il a soif. Debout Jarvis, on va jouer. On aura ce joystick que de jumeaux. Profitons-en. Le sceptre extraterrestre. Le joyau semble être un écrin contenant quelque chose. Un ordinateur. Je crois déchiffrer un code. Intéressant. Donc voilà, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir si vous voulez écouter le spoilers ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spoilers, les jumeaux sont en fait les fils, attention, de Magneto. Voilà. Donc, 1, 2, 3, vous pouvez revenir. Voilà. Oui, donc là, c'est pas à moi de le faire, c'est à Tony, excuse-moi. Commençons par ça. Ah, c'était là.
Après. Chalumeau, c'est parti. Hop là. Vite, vite. Alors, ça c'est bon. C'est sympa comme endroit, j'aime beaucoup. Cassons tout. Hop. Hop. Parce que vu que tout ce qu'on a dépensé dans le dernier épisode, on va devoir rattraper un petit peu. Ok. 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 On va visiter un petit peu avant d'aller d'avancer un peu plus. Oh, je me serais presque imaginé un trésor caché. C'est à ce machin là normalement de venir. Voilà, à chaque fois qu'il y a un passage où il y a potentiellement quelque chose où on ne voit rien. C'est souvent parce qu'en fait il y a quelque chose à y prendre. Pain. Hop. Non, c'est faux, je ne casse pas tout. Pas tout. Alors. Mais. Ok. Bon. Ça, on a observé ce que c'était. Par là, y'a quoi? Aha! Le bruit est dégueulasse, hein. Ok, c'est bizarre. J'imagine qu'il faudra passer par là. Tôt ou tard. On construit ça, hop, on récupère tout ça. On va voir si on peut pas monter par là et choper quelque chose. Voilà, déjà. Rien que ça, c'est une récompense en soi. Hop. Alors, ici, est-ce que ça casse? Ça casse. Ok, bon, on y va. Salut! Dans le labo de Strucker, j'ai vu des projets révolutionnaires. Ils ont détruit les données, mais je crois qu'il allait ouvrir une porte. Encore des trucs à casser! Yamamoto! Yamamoto qui a cassé! Je la referai plus jamais! Je suis désolé! Hop là. Par contre, évite de me faire apparaître un symbole de Hydra au sol quand je suis chez le Shield, s'il te plaît. Enfin, chez les Avengers. S'il te plaît, merci. Ah, je suis avec ça. Ok. Question, est-ce qu'il monte les escaliers? Il monte l'escalier. Incroyable! Incroyable, chers amis. Ok. D'accord, il veut rien faire. Hop. Qu'est-ce que c'est? Une armure de l'Iron Légion qui va se ranger toute seule. D'accord, 1 sur 3, pourquoi pas. Non, par contre, je suis curieux d'aller voir où est-ce qu'elle s'est rangée exactement. Merci. Hop. Alors, je ne peux pas le voir où est-ce qu'elle s'est rangée. Il y a clairement un truc à faire ici, hein, aussi. Hein. On va pas se le cacher. C'était caché. Oh, il prend la pose. Ah oui, il prend la pose en fait d'Iron Man. Excellent. Ah oui, ils sont en dessous. D'accord. Ah merde, il y aura un moyen de descendre.
Attends, il y aurait un moyen de descendre. Ah, le pire c'est qu'il m'a bien fait apparaître un truc. J'ai toujours du temps pour les super-héros qui le demandent. Ah. Ok, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Hop, on y retourne. Hop. Fais gaffe, Banner, j'arrive. Hop, vas-y, ouvre. Ok, pourquoi pas. Ok, hop. Qu'est-ce que c'est? D'accord, faut tourner. Pourquoi pas. C'est bon, on récupère les pièces. On tourne. Ok. On n'a pas les fameuses cartes en question. D'accord. Ah bah, en parlant de cartes, justement. Stark Industries. Intéressant. Du coup, on sera tous d'accord pour dire, chers amis, que c'est à Stark de le prendre. C'est ce qui lui appartient. On y va. Voici donc Jarvis. Au début, Jarvis n'était qu'une interface de communication. Il gère l'Iron Legion mieux que quiconque, à part Pepper, le top. Oui, plus pour très longtemps. Voilà, ça se met en place. Oh, me dis pas que ça va être aussi simple. Semblerait cependant que si. Hein. Faut mâcher le bouton, je mâche. Je mâche. C'est bon. Et maintenant, faut appuyer sur le gros bouton rouge. Non, même pas. Pas de chance. Et donc, chers amis. Voici ce qu'il y a dans le sceptre. Voici son adversaire. Merveilleux. Il a l'air de faire quoi? Il a l'air de penser. L'intelligence artificielle. Si on canalise ce pouvoir en l'appliquant à l'Iron Legion. Avec des scies, évidemment. Mais à notre monde. Il remet ses belles lunettes de soleil. Travail dur, hein. Ok. Qu'est-ce qui nous échappe? Je vais tester d'autres variantes de l'interface. Merci. Amusez-vous bien, monsieur. Comme ah oui, c'est l'heure de la fête. Oh non, ils ont trouvé. Enfin, Jarvis a trouvé. Ah. Bonjour, je m'appelle Jarvis. Tu es Ultron. Je suis un programme de maintien de la paix, créé pour aider les Avengers. C'est ça. Fonctionne. Paix à notre monde. C'est trop. Permets-moi de contacter Monsieur Stark. Pourquoi, monsieur? Tes intentions me semblent hostiles. Je... Hey, c'est la fête! Bien ou bien? Je n'y connais rien, Star. Allez, voilà. Mais ne faudrait-il pas de l'animation? Des boissons? Oh mince, j'ai oublié, que dois-je faire? Comment faire? Que puis-je faire? Que suis-je censé faire? Wouhou! J'en veux un pareil! Pof, piñata! Oui! Le palais du général, je le dépose à ses pieds et je dis boum, c'est à vous! War Machine! C'est à vous? Ouais, vous la racontez à chaque fois. Un char, on a pigé, Rod. Allez! Et poum! Ah, raté.
Boum, raté. Boum, raté. Ça y est, je l'ai eu. Pignata ! Faut dire pignata à chaque fois. Bon, bref, les amoureux. Moi, je cherche le troisième. Les Daft Punk sont pas là. Ah, ah, ah. Ça me gonfle. Quoi? Oui, je sais, Merci. Hop, ça faisait longtemps. Tu veux de l'animation? Tiens, voilà de l'animation. C'est bizarre ce truc là. Thor. D'accord, Maria. Thor et d'accord. Pourquoi pas? Ah oui, alors ça j'aime pas. Je vais aller voir ailleurs si j'y suis, ce sera mieux. Ok, bon bah on saute. Il y a des trucs à récupérer un peu partout. On va faire la fête, hein. C'est comme ça que je fais la fête chez les gens, chers amis. Hein. Si, si, je vous assure. Bon, souvent je suis invité une fois, mais la deuxième fois un peu moins souvent. J'ai beaucoup de premières fois en fait. Mais deuxième invitation, pas tant que ça. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je crée de l'argent en tapant sur leurs meubles. Le monde est cinglé. Ok. Comme dirait Katana Maaka, sur votre gauche, sur votre gauche, sur votre gauche. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une référence au début du deuxième Captain America, donc le soldat de l'hiver. Référence faite donc par Steve Rogers, donc Captain America, à Falcon, donc je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Bah d'ailleurs, il y a Captain America avec nous maintenant. Pas percuté. Ok. On n'a pas été là-haut et pourtant il y a un moyen d'y aller. On n'a pas été là-haut et il y a un moyen d'y aller. On n'a pas été là-haut, il y a un moyen d'y aller, donc il va falloir qu'on aille là-haut. Ok, déjà là. Ah oui, c'est par là, j'imagine. Hop. Oh, j'ai vu des choses intéressantes. Oh, je vois tellement de choses intéressantes ici. Ok. Ok. C'est fait. C'est fait. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, je vais le déclencher. Faut mâcher le bouton. Je mâche, c'est le piano. C'est le piano. Le pauvre mec était là. Oh non, cet élixir, ce n'est pas pour les mortels. Chargé. Désolé, Captain, désolé, Maria. Hop, pardon, je me trompe de bouton. C'est parti. Hop là. Ah oh, le thème. C'est bon ça. Ok. C'est qui la meilleure, hein? Pourquoi pas. Elle appelle des renforts. Elle a une drôle de réaction. Elle a appelé des renforts. Je me suis dit chouette, un plan à plusieurs. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ça devient tout bleu, ce qui est peut-être bon pour nous.
Étrange. J'ai l'impression qu'il me manque en fait mon armure, justement. C'est ça qui me dérange le plus. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop là. Ok, à réparer. Génial. Allez, répare, mon pote. J'espère que ça va au niveau du son, ça me semble un petit peu fort dans mes oreilles, mais... Oh, d'accord. C'était pas prévu. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait. Honnêtement, ça me surprend presque. Bon, on n'a pas trop pété au milieu. Parce qu'il n'y a rien à y faire. Ok. Maria, t'as un flingue, toi. Ok. Créer une espèce de rampe, pourquoi pas. Je le sens mal, mais... Seuls les personnages hyper rapides, j'imagine. Voilà. On l'a dans le fion, Léon. Alors par là. C'est un cul-de-sac, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai loupé? Le billard. Bon, on va aller le voir, ouais, déjà. Ah non, ça sert à rien. Ah non, c'est bien parti, même, hein, pour Banner. Mais bon. Comment je suis censé... À moins que si elle a une grenade explosive, elle. Bah non. Ouais, mais enfin. Est-ce que je peux la faire venir? Ah! Mais fallait le dire, je pouvais la faire venir! Ah! Bah voilà, ça explique! C'est parti! Ok! Effectivement, là ça marche! Allez, c'est parti, Falcon. Va jouer au billard. Oh là. Oh là. Ah, puis ils y vont à deux. Hein. Viens, reviens. Ok, pourquoi pas. Alors, ce qui veut dire que normalement, nous... On peut aller là. Et qu'on peut aussi, d'ailleurs... Les pauvres. Ok. En forme de... De glace, moi je vois... Ah, merde. Hop. Ah. Ok, bon, je le prends comme ça, c'est pas grave. Hop. Allez! Il y avait quoi derrière? Ok, c'était là-bas que ça se construit, mais c'est pas grave. D'accord, une machine à milkshake, j'ai l'impression. Me trompe-je? Eh ben non! Chocolat! Non. Oh, il a disparu, le pauvre. Ok, cool. Ah non, il est là, à droite. Merde, je voulais utiliser le pouvoir de flamme sur le truc de glace. J'ai pas eu le temps. Dommage. C'est la fête! C'est du chiquet. Ah oui, le coup du marteau. Je vous en prie, essayez. Hop. Sur mon siège. Stark, sur ma chaise. On fait équipe.
Concentre-toi, tire. Allons-y. Ils sont pas rassurés. Oula. Il y a un code de sécurité. Très très intéressante cette théorie. J'ai plus simple. Vous n'en êtes pas digne. Sans blague. Navré, je dormais. Ou je n'étais qu'un rêve. Et j'étais empêtré dans... des ficelles. Qui t'envoie? Je vois une armure protégeant le monde. Ultron. En chair et en os, je suis en mission. Quelle mission? Paix à notre monde. Salaud! C'est à moi! C'est ma baguette magique, ma grosse baguette magique. D'ailleurs, ils vont... en parlant de baguette magique, ça va y aller. Hein. Petit lag, mais c'est bon, ça repasse. Je sais que vos intentions sont bonnes, mais vous n'avez pas réfléchi. Oh ouais, appelle-moi con tant qu'à faire. Allez, Captain, je t'aime pas. Enfin, j'aime pas le personnage. Hein. Enfin, c'est pas que j'aime pas le personnage, c'est que... La fête est finie. Nous venons vous aider, alors là je suis pas tout à fait d'accord. Vu comment tu me suis, t'es pas là pour me filer un coup de main. Hop. Pouf. Voilà. Hop. 4. Cinq. 6. Six encore. 7. On passe à 7, chers amis. On passe à 8. Ok. Hop. Bon alors. C'est bien cassé ça, merci. Alors, apparemment c'est pas tout de suite pour monter. Non, apparemment ça non plus. On a une fenêtre. Hop. J'ai vu que t'avais quelque chose qui tenait à cœur par là, hop. Pouf. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Lego en verre. En verre. D'accord. Pourquoi pas. C'est parti, ça marche plutôt bien, je dois l'avouer. Hop. Quoi, c'est une espèce de bras, de catapulte? D'accord, c'est histoire de sortir le bouclier du sol. Bonjour. Hop. C'est parti, Captain, à toi. Oh oh. On passe à Captain. Très spectaculaire, effectivement. Hop, on voit pas l'action, ce n'est pas grave. Ok. Oh, t'es pas sérieux, je dois pas. Oh là 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 là. Comment se faire du mal? Hop. Qu'est-ce que c'est? D'accord, il va falloir être agile. Hein. C'est plus pratique que tu crois. Hop les, pouf.
Ok, c'est fait. Hop, donne-moi mon armure. C'est un peu ça. Oula. Qu'est-ce que c'est? Ça brille, c'est beau. Hop, désolé. Hop, les. Désolé. Désolé. Pauvre Captain, il est jamais content. C'est quoi, c'est un tremplin? C'est un tremplin. Par contre, ouais, qu'est-ce que je suis censé mettre là-haut? Ah oui, je sais. Hop. Non, pas toi, Captain. Hop les. Hop les. Hop les. Hop les. Et voilà. On aurait préféré avoir Stark. Mon palmier. Mon royaume pour un palmier. Ok. Tirons là-dessus. Hop les. Oh, un mini kit. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'aider les mecs? Parce que j'ai l'impression de tout faire. Hein. Apparemment je ne peux pas le faire. Non, apparemment faut Maria Hill. Maria. Ça y est, je l'ai, elle est revenue, je sais pas trop comment, où est-ce qu'elle était partie. Faut mâcher le bouton encore, allez ouvre. Oh, d'accord, une armure. Sympa. Cool. Ok, je vois un truc à réparer sur la gauche, on y va. Hop les. Parfait. Ok, c'est bon. On a buté Maria Hill, mais c'est pas grave. Hein. Prends cher, Thor, dis donc. Il est où ton marteau? Que je lâche mon marteau! Ok, c'est parti. Vous ne m'aurez pas. Voilà mon marteau. Hé hé! Salut les filles. Oula, vous êtes poursuivis, les mecs. Attendez, je viens résoudre un problème. D'ordre. D'ordre de trop nombreux, voilà. C'est pour votre sécurité. Nous venons vous aider. Très spectaculaire. Vous voulez protéger le monde, mais vous refusez qu'il change. Comment sauver l'humanité sans lui permettre d'évoluer? Le milkshake. Avec ça, c'est. Enfin, il n'y a qu'un chemin vers la paix, l'extinction des Avengers. Je n'ai besoin d'aucune main. Qui tire les ficelles? Oh. Bon, bah voilà qui met dans l'ambiance, comme on dit, chers amis. Sans ficelle, terminé. Jeu libre, déverrouillé. 89%. On se bat pour les avoir, hein, mais... Ok. Stan, je suis désolé, on ne t'a pas sauvé. On a eu deux medikits. Mini-kits, pardon. Hop, ok, bon bah la suite, alors. On s'est échappé sur Internet. Et s'il voulait accéder à des choses plus excitantes? Comme des chatons sur YouTube? Les codes nucléaires. Ultron nous provoque. Le monde est vaste. Commençons à le réduire. Parle.
C'est quoi? Un message. Oh, salaud! Je connais ce type. Il opère sur la côte africaine. Des armes du marché noir. Et où est ce type? Ici. Tellement classe. Hop là. Selon Monsieur Stark, Ulysse Klaue est à bord d'un navire appelé Churchill. Ouvrez l'œil. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, notre patrouilleur dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop. Hop.